Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous montrer un notebook que j'ai décoré avec les restes de ma collection Voyage Fantastique. Bon, donc là ça c'est le bloc de 10 pages qui est encore entier. L'autre bloc, je me suis servi du 22 pages pour l'album photo que je vous ai déjà présenté. Voilà. Et il me restait des chutes, pas beaucoup, mais voilà. Du coup, j'adore tellement cette collection que moi, j'ai décidé de faire décorer un notebook, tout simplement. Donc, hop, je vais essayer de vous monter un peu. Donc, voilà ce que ça donne. C'est un notebook de chez Action, c'est le grand. Je sais plus la dimension, mais c'est le grand, c'est pas le petit. Voilà. Là, c'était une chute de papier, tout simplement, que je suis venue coller, couper et coller aux dimensions. Et dessus, je suis venue coller des chutes de papier que j'ai déchirées, ancrées, abîmées. Voilà, là. Là, c'est une étiquette que j'avais gardée et que j'ai collée en 3D dessus. Enfin, en 3D avec la mousse 3D. Voilà. Là, sur le côté, j'ai juste fait avec une chute de papier. Donc là, ça se voit pas, mais il y a une. En fait, voilà. Non. Parce que c'est des chutes. Et le derrière, ben, voilà. C'est une tuerie. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je suis venue le travailler avec des chutes de papier. Donc, comme c'est un notebook, ben, ça doit être pratique. J'ai fait des pochettes. Donc, voilà, tout simplement, des pochettes. Ça, là, je l'ai fait avec l'Instant Enveloppe. D'accord? Le papier noir, c'est du papier trophée 160 grammes. Voilà. 160 grammes, voilà. Et là, c'est des chutes de papier que je suis venue coller. Donc, j'ai glissé des tags. Bien entendu, après, c'est pour mettre des papiers. Voilà, cette chute de papier. Là. Et des tags. Où on peut bien sûr écrire. Voilà, et ce tag-là. Donc, voilà. Bien entendu, tous mes papiers sont ancrés avec la Distress Ink Walnut Sting. Voilà. Et désolée, je suis venue vieillir et tamponner avec le tampon Voyage Fantastique. Voilà. Donc, c'est le grand. Là, je suis venue lire tout le papier, les pages, voilà. Et de l'autre côté, pareil, je suis venue vieillir, hein, tamponner. Et là, on a fait, enfin, j'ai fait des pochettes. Donc, je voulais passer puisque un tuto, puisque j'ai déjà fait beaucoup de tutos comme là-dessus. Là, on s'adapte toujours pareil au papier. Donc voilà ce que ça donne, ce mélange de papier. Donc là, hop, une pochette, deux pochettes. Là, en fait, j'ai collé deux chutes de papier puisque là, celle-là était trop petite. Comme là, ça se voyait, du coup, c'est pour ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, ça c'est la couverture. En fait, je me suis servi de la couverture pour combler le manque de papier ici. Et donc voilà, là, ah oui, là, je me suis amusée. En fait, j'ai fait un passant. C'est un double tag, en fait, mais un passant. Donc, c'est comme une pochette. Donc là, j'ai mis un petit bout de papier qui est tamponné, mais on peut écrire. Okay. Là, j'ai mis un double tag tamponné, pareil. On peut y mettre des photos ou écrire dessus. Voilà, en fait, c'est comme une ceinture. Je me suis amusée, voilà. C'était des chutes. Donc, ça. Nous avons aussi un tag dedans. Et
un tag mais qui est tamponné, donc on peut y mettre des photos devant, derrière, comme on veut. En fait, voilà, c'était manière. Je sais plus ce que j'avais fait. Oui, ça c'était là, ça c'était là. Et je crois que ça c'était là. Voilà. Hop. Voilà, le fer qui se sort. Voilà. Donc voilà, et le derrière, tout simplement. Hop. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez sur l'élastique y mettre des breloques, des décos, faire ce que vous voulez en fait. Donc voilà, mais bon, moi j'ai voulu le laisser simple, je trouvais que ça suffisait largement. Donc voilà, bien sûr, ce notebook est à vendre comme pour l'album. Voilà. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, il me manque juste le tampon, ben, comme sur l'album, puisque là, il faut que que j'aille le chercher à l'atelier en bas. J'y étais hier, mais j'ai complètement oublié de le remonter. Donc voilà, bien entendu, ça, on peut le faire avec ce qu'on veut, peu importe le papier. Et dans 50 000 façons, j'aurais très bien pu aussi le travailler en mix média. Voilà, avec la collection, avec le moule texture, avec le trait là, voyage fantastique. Je pense que je le ferai. Je l'avais déjà fait ça il y a quelques mois, hein, par contre. C'est une tuerie aussi en mix média. Enfin, voilà, donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, mes créas réalisés avec une collection. Domaine de page, par contre. Voilà, j'espère que ben, ça vous plaira, que ça vous aura donné envie de réaliser des créas avec cette magnifique collection de papier. Voilà, désolé pour les tutos, mais là, franchement, voilà, des fois, ça fait du bien de pas filmer ce qu'on fait. Voilà. Non, ben, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, surtout restez bien chez vous, occupez-vous, profitez de votre famille et on attend que ça passe tout simplement. Donc soyez sages. Hein? Voilà. Mais écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.